Salut les amis, bienvenue dans ma cuisine. Ça vous dit un petit apéro? Les apéros, c'est sympa, mais ce qui est sympa aussi, c'est de faire soi-même des petits crunch crunch à manger avec notre boisson apéritive. Aujourd'hui, on va se faire quelque chose de très simple. Pour ça, il vous faut 100 g de pop-corn, 100 g de gruyère. C'est tout. Allez, je vous montre. Dans une poêle, j'ai mis une belle grosse cuillère d'huile neutre, huile de tournesol par exemple. Vous pouvez faire avec de l'huile de pépins de maïs si vous voulez. Vous mettez vos 100 g de pop-corn, vous couvrez, vous allumez le feu et vous allez entendre pétarader. Alors à la poêle c'est pratique, je trouve, plus qu'à la casserole parce que ça s'étale plus et comme ça on a moins. Vous savez, quand on fait la casserole, souvent il reste des grains pas éclatés au fond. Avec la poêle, vous avez des chances que ça n'arrive pas. C'est mieux. Vous entendez? Ça pète. C'est la danse du pop-corn. Pète, 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 pète. Une fois que c'est fait, on met nos pop-corn, regardez, sur du papier sulfurisé. Et vous voyez ce que je vous disais? On n'a pas... Allez, on a un grain ici qui n'a pas éclaté. Là. Un seul par rapport à la casserole, c'est magique. On étale nos pop-corn. Notre four est en train de préchauffer à 200 degrés. On va bien étaler ça et on va recouvrir avec notre gruyère. Je dis bien gruyère, pas parmesan. Je veux du gruyère, du vrai. Et on en met partout sur nos pop-corn. Alors ça fait un super apéritif, hyper original. Et c'est mieux que les cahuètes achetées dans le commerce. Voilà, et on va mettre ça dans le four. Allez, 5 grosses minutes. 5 minutes. C'est parti. Dans le four. Hop là. Ah, encore un pied. Hop là. Ok. C'est cuit. C'est super rapide. Et maintenant, on va mettre nos pop-corn dans un saladier. On essaie de ne pas faire de bêtises. Voilà. Le gruyère a un petit peu collé. Allez. C'est parti. On vide. Waouh! Voilà, ça y est. Ça va être bon. Apéritif express, la douane. Du coup, il n'y a pas besoin de saler puisque le fromage est salé. Regardez-moi ça, c'est un régal. Vous allez faire un malheur avec ces pop-corn au gruyère. Santé les amis. Gros bisous. On se retrouve vendredi pour une vidéo que vous attendez depuis longtemps. Je vous embrasse. Ciao.